Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir à nous toutes. Comment nous y est? Et moi, espérer nous toutes femmes. Et jeudi, à ce jeudi, nous vivons. Et jeudi 28 septembre 2023. Dans toute studio plateforme, non, il est déjà marqué midi. C'est là pour nous capables d'informer toutes les amis fanatiques nous sur toutes les nouvelles qui déjà fait actualité pendant la première partie journée. Ça. Nami Koa, c'est toujours amis, on s'invite au merci Dieu. Toute équipe là nous déjà motivés et mobilisés pour nous capables de retransmettre pour journal Gazette Créole qui passait sur Radio Vision 2000. Mais bien avant, nous connecter avec cette nouvelle là, c'est important pour nous capables de remercier toutes amis fanatiques et qui permettent et travaillent là possible. Merci pour si pour nous, merci pour collaboration, merci ou choisir plateforme voilà caille pour capable informer, merci pour fidélité et patience. Soyez à l'horizon 2000. Il est midi. Vous êtes à l'horizon 2000. Ça qui a passé en Haïti, à tous côtés sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite à écouter Gazette Créole. Gazette Créole, un journal qui apprend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte l'autre bord de l'eau, la guéou dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi Radio Vision 2000. Jeudi 28 septembre 2023, mesdames, messieurs, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans la quatrième sortie journal Gazette Créole pour ce maintenant. Mais quelques points nous pourrons développer dans le journal. Ça a été une grosse tension à Yéna Cité Soleil après divers nègres qui ont été assassinés dans la nuit 26 pour le 27 septembre à passé. Tyson, ainsi connu chef gang dans raquette là, dans Kati Drouya, c'est gang G9 là qui t'a tué avec plusieurs autres soldats. Il y a pile coup de balle qui t'a chanté pendant toute la journée à Yéna Kafoudou. Kouya, Fuji et Marin et même en bas la ville Port-au-Prince sans coalition gang G9 a contrôlé. Eh bien, population et puis la police tout et tout y est quatre présumés bandits à Yéna Mirbalet et puis ont découvert les cadavres de l'autre monde qui était participé à l'attaque bandit à Xam te fait dans la commune Sodo. Il y a un substitut commissaire gouvernement Mirbalet à Québec en Jean, eh bien, bandit à Xam assassiné la Kaili dans la plaine du cul-de-sac. Eh bien, toute disposition déjà prend pour lumière faite sous crime ça d'après ministre en justice là Emily Prophète Milse dans une note li fait sauti mission nationale là qui a déployé dans pays d'Haïti et dans commencement janvier 2024 d'après sa ministre Kenyan affaires étrangères fait qu'on est avant hier Madia mais Alfred Moutuya fait qu'on est force capable mettre bout avec violence neg examio oui a mandé République dominicaine avec Haïti pour chita parler et puis offrir médiation pour régler pour problème qui gagne en deux pays yo par rapport avec Canal ça haïtien yo a fait sous rivière massacre là organisation état américain yo fait qu'on est Haïti à République dominicaine gagné même droit pour utiliser rivière ça qui traversait deux pays yo ancien sénateur nord-est là Jacques Sauveur Jean mandé autorité yo et puis et acteur yo dans secteur privé haïtien pour profiter situation ça rivière massacre là et provoquer dans l'idée pour aller porter solution à quelques problèmes et puis déséquilibre qui gagne dans relation haïtiano dominicaine non, en bien Jacques Sauveur Jean critiqué président dominicain Luis Abinader dans un dossier si là. Organisation féministe Negues Mahon exprimé consternation li après yon police violé yon haïtienne Stéphie Graff dans Import America sa Santo Domingo et puis réclamer justice à réparation pour victime nan Negues Mahon te profité pour dénoncer pile paquet femme haïtienne cap victime viol en République dominicaine. Le Tebouet Chanap tourné pour développement.sa yo. C'est au journal ça, Benjo Pierre a fait manœuvre technique, puis n'aimé quoi, c'est Léon Kier Civil. Bonsoir Benjo, bonsoir tout le monde.
Une autre fois encore, un gros bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans le développement premier parti journal là. Tyson ainsi connu, chef gang de raquette dans le quartier Drouyan à Cité Soleil avec plusieurs dans le lieu mort dans la nuit de 26 pour lever 27 septembre 2023. D'après premier élément information, yo, c'est allié Genève qui touillait Mounsayo en bestiation. Ça a provoqué gros tension à Emekredia dans le Drouyan, Fouji, Marin et même en bas la ville Port-au-Prince. Coalition gang Genève a pas contrôlé, mais c'était un pile coup de balle automatique et qui tape chanté dans quartier et sa yo. Et yon l'autre bord gagné et substitut commissaire gouvernement bon côté tribunal la première instance Mibale Kedex Jean individu moun pas arrivé identifié qui entre la Kali m'a dit soit passé et puis touyel et dans la plaine en bien jusqu'on y a pour gagner en quel monde qui connaît qui ça qui la cause et crime si là mais dans une note et ministère justice fait sortir les fait qu'on est qui gagne ministre justice qui fait qu'on est qui gagne tout lumière déjà et toute disposition prend pour lumière faite sous crime si là gagné quatre autres présumés bandits qui mourit hier dans Mibale en baissé dans échange coup de balle avec la police et puis population en tout qui touille avec coup de manchette couteau mais gagne diverses armes automatiques des 65 force l'audio arrivé récupéré en Benaville Sodo population levé tout jeune cadavre deux individus qui t'a participé dans dernière attaque nèg exam qui fait et dans commune Sodo mercredi et passé jeune cadavre moun sa yo fait de Jean Calbano, plus de détails. Aussitôt que nous informons de situation qui est dérivée au niveau Sodo, côté que pratiquement la population d'un côté c'est un cri pratiquement au niveau Mibale. Donc, ils vont au commandement, disposition des points pour qu'ils soient capables de renforcer et présenter la police au niveau Mibale également au niveau Sodo. Et nous avons une situation déjà, et côté que il y a plusieurs unités spécialisées qui étaient dépêchées. Pendant ma parole là, minute que ma parole là, j'étais en communication avec deux responsables, à savoir. Quatre nouveaux bandits rivés mourir boulés dans l'échange coup de zam avec la police, accompagnement de la population dans la commune Mibale. Deux armes T-65 saisies, jeudi mercredi 27 septembre, dans le cadre de nouvelle opération, population balésienne mettait campé qui baptisait chercher bandits, alors que dans la commune Sodo, la population a découvert le cadavre de l'autre bandit. Pour qu'on y ait là, la population dans la commune Mibale était sous deux militaires, mobilisés avec rage, bâton manchette, à chercher bandits tout partout. Alors que force l'audio même, si on est divers rues dans la ville, côté sécurité a renforcé totalement. Il y a plusieurs checks qui ont fait sur véhicule, qui ont passé avec suspect qui ont entré dans la commune. Quant à la commune Sodo, divers mouns qui étaient couilles, qui étaient la caillou pour retourner, il y a l'odeur cadavre qui a dégagé dans quelques endroits, selon témoignage quelques citoyens dans la commune, toute froid qui n'a pas de voyous enregistré. L'école, le commerce, tout bureau public, tant que privé, toujours été paralysé dans la commune. Il y a plusieurs unités spécialisé dans la police là tant qu'on soit Bri ak Itag qui prend contrôle sécurité dans deux communes sa yo Sodo ak Mibale. Dans plusieurs communes dans le plan central là il y a en pile mobilisation qu'a fait dans l'idée pour surveiller bandi qui t'a gain intention venir cacher koyo dans région depuis département centre fait de les gens pour Radio Vision 2000. Merci Fédelin Jean qui s'est correspondant nous t'abonne plus de détails sur qui Jean Satéye aïe mercredi dans le département Santé pays. Il y a un porte-parole PNH la Gary des Rosiers qui a confirmé la mort plusieurs présumés bandits après attaque bandits qui ont été faits dans Sodo avec Mibale. Il fait qu'on est pour qu'on y a la police nationale à poursuivre et foyer dans l'idée pour prendre tout un contrôle de situation dans deux villes Sayo. Commissaire Gary des Rosiers peut battre bravo la contentement pour collaboration population Gary des Rosiers. Aussitôt que nous informons de situation qui est dérivée au niveau Sodo, côté que pratiquement population d'un côté c'est un cri pratiquement au niveau Mibale. Donc, ils vont au commandement, disposition des points pour qu'ils soient capables de renforcer et présenter la police au niveau Mibale également au niveau Sodo. Et nous avons une situation déjà, et côté que il y a plusieurs unités spécialisées qui étaient dépêchées. Pendant ma parole là, minute que ma parole là, j'étais en communication avec deux responsables, à savoir une équipe qui est au niveau Sodo, l'autre équipe qui est au niveau Mibale. Ils ont dit qu'on calme apparemment parce que présente la police est là. Et la population tout dit pratiquement à marcher avec la police et n'a continué encore en des collaborations et populations. Pour un bilan partiel, et gagné pour Pipiti, gagné deux âmes qui saisissent, gagné et plusieurs bandits et qui malheureusement blessés mortellement, pendant ma parole là, et population pratiquement dans la rue, c'est amené comme information, côté que
yo même y a péché et côté bandit parce que yo dit que yo parler pour bandit empêcher yo pas librement l'activité. Ça qui est important, présence toute une spécialisée à savoir soit bris et d'autres spécialisés présents en roi dans même que m'a pas la voir là au niveau du balai également au niveau sud. D'après information la police gagne qui ça qui fait bandit ça yo fait démonstration de force ça et dans sodo. Et pour le moment on connaît que dans situation c'est son contrôle de situation que nous n'a pas qui fait que moi pas capable d'aller plus de détails pour le moment. Mais c'est certain que c'est des situations qui demandent ils ont plus d'informations. Il y a plusieurs qui viennent non, après l'information qui viennent non, mais pour le moment, nous avons cours de traitement d'informations. Parole, moi, tu crois que Ewap vivent dans le pays. La question de vous avez des détails sur là, c'est presque tout le monde dans le pays qui a suivi les réseaux sociaux qui connaissent et autant de déclarations. Ils ont plus un chef gang dans le pays à côté du fond vidéo, ils disent mais ça privé, ça privé. Et puis nous-mêmes, la police nous dit que nous ne pouvons pas avoir de détails sur ça. Non, écoute-moi donc. Mon langue doit qu'ils ont monté sur les réseaux de bagages. Mais et pour la police, c'est certain que la prise en compte, quelle que soit l'information que nous, et ça a fait que cette information vient de nous, le cours de traitement, la traité pour que nous allions, pour nous donner plus d'éléments d'information et pour que nous-mêmes nous sommes capables de mieux faire travailler. Nous avons des réactions à tout le monde qui fait connaître que et la police n'est pas de contrôle façon Neg Sayo, M. Axam Sayo, prend le département Santlan et comme couloir de passage, Bal Axam en basu, impuissant l'autorité policière. Alors pour le moment, j'aime Abdoulan, et dans le commencement, la police, pour le moment, au niveau Sodo, également au niveau Mibalet, nous renforcer présente la police par une spécialisée. Qui pour le moment, ne va pas la voir là, au niveau Sodo et au niveau Mibalet. Voilà, on t'a pour déclaration porte-parole PNH là Gary Desrosiers. Gain Kenya qui dit l'irrité croit et mission multinationale là qui t'a déployé dans pays d'Haïti quand ça t'a fait avant janvier et pas capable mettre bout avec violence gang Axamio qui contrôlait presque et toute la capitale haïtienne avec l'autre région dans pays Afrique de l'Est là qui t'est proposé d'être pris pour diriger force multinationale ça n'a envoyé dans pays d'Haïti un millier policiers en bien avant ça t'est parlé de une mission pour former police nationale là et puis aider protéger installation clé PIA. Bien ministre Kenya Affaires étrangères Alfred Mutua déclaré dans une interview avec BBC cet après une force intervention pour désarmer salarié les voyous à gang cap saccager et pays d'Haïti. Faut que nous pas mettre trop confiance dans la communauté internationale pour résoudre gros problèmes de sécurité que PIA a fait face d'après ancien sénateur Jacques Sauveur Jean qui rappelait gros responsabilité internationale dans la situation actuelle PIA lui montrer le grand pile d'autres arrivé mission multinationale support sécurité qui t'a doué et vide dans pays d'Haïti sous leadership Kenya en bien estimé après il y a pile doute pour bien et démarche ça ta côté résultat en côté Jacques Sauveur Jean. Pas une solution pays ça. Encore, après tout ça qui se fait, de l'assassinat de Jacques Dessalines à l'assassinat de Jovenel Moïse, jusqu'à aujourd'hui, en imposant l'insécurité à la nation, nos villes, nous ne pouvons pas traverser. Les facteurs, nous ne pouvons pas traverser. Nous connaissons que c'est eux qui font. Nous n'avons pas de doute que c'est eux qui font. C'est pas comme on dit pour la rue et puis qu'il a mis tout nos prix dans la cage. Ça veut dire que pour une on est là beaucoup plus dépend de lui. Ils viennent pour eux, pour fixer la délégation de prison. C'est-à-dire que tout le terrain dans la rue, n'a pas eu roche, n'a pas fait des ordres. Parce que, comme le international n'a pas une grande chose pour les dinos encore, ils ont tout détruit. Mais ça a eu passion cachée de qui est sur lui. Le moment est venu que nous parlions de Lyon. Nous devons aller plus dans le fond, de ce point de vue intellectuel que militaire. Parce que le problème de sécurité, c'est que cette paire en sécurité qui est posée en sécurité. Les sécurités sont outils guerriers pour ceux qui veulent détruire l'ordre des innocents. Sont force disproportionnelle que vous mettez au service d'un cause par la sécurité. Si dans le dictionnaire de n'importe quelle définition, moi je dis, l'insécurité sont forces disproportionnelles que vous mettez au service d'une cause. Mais qui est-ce qui initie, qui est-ce qui implante, qui est-ce qui casse? Quand les armes sont sorties, nous avons pensé à l'insécurité pour Haïti, à côté de Chita, en tant que bureau, parce qu'il n'est pas capable de faire comme ça. Donc ce bagage pour les résoudre tout dans le fond, avec dialogue, avec compréhension, avec détermination, pas tout ça privé. Même nègre qui essaye, gros nègre, dans le réfère, quelques gros armes, sans beaucoup d'où qui s'en va le faire, son aide, là pour l'essayer, gros nègre là, et puis gros armes là, c'est son pour les pays. Ça veut dire que le pays qui fait gros armes, le pays qui se garde pour le gros nègre, c'est eux-mêmes qui posent une sécurité. Donc maintenant, c'est nous qui sommes intelligents pour nous mettre à l'eau pour nous croître la sécurité à travers l'intelligence. Parce que même quand on dit la sécurité, on fait
faire une bonne superstar, ils ont du même barbecue. Mais quand on est là avec nous, on va faire nous ça. Qui ne les recevoir l'autre et qui a foutu comme ça s'appelle. Puisque tout ça va ici tout le temps. Quand tu es là, il est continu. Pourquoi il y a même sous ta vie tué, son pétrolier, son banquier là. Ouais, moi-même, si on pose des problèmes de sécurité à même, il y a promis tout le monde qui a fait sécurité. Ma pauvre l'armée. Ma pour l'année avec des hommes de couillou, avec des gros chats de guerre, gros tanks, en bien pile là, j'en ai un tout, pour défendre le territoire national. Pour jamais Abinader va permettre de venir dire que la prime avec des droits qui fouillent, comme ils n'ont pas frontière avec devant les enfants de Desjardins. Sur la bande de sécurité, comme nous avons une communauté internationale, va louer une force multinationale, pour cacher les gens qui viennent à Figou, les amis, pour vous quitter dans les gens qui viennent à Figou, c'est comment c'est distribué dans la cachette. Je suis venu à Figou, courir, je n'ai pas venu plusieurs fois déjà. Ça fait la première mission que j'ai donnée à Figou en Haïti avec là. Toute mission qui vient là, on va aller voir les amis, on va aller distribuer les gens qui ont besoin, on va pas vous donner les besoins. Alors ça, ici, c'est la condamné pour la sécurité. Il y a des victimes, petites filles victimes de toute la série de bagages. Moi-même, ma cœur m'a décidé parce que je ne sais pas pourquoi on n'a pas passé là. La ville d'un coup d'un pétade, côté que chasseur, nous n'en ferons sans secours. De lui chercher à lever le fusil de tuer. N'importe qui monde, ou sa victime, moi sa victime, lui sa victime, yo victime, nation, pourquoi pas. Mais cependant, pas oublier qu'on est bien droit qu'un 10 mais c'est cerveau qui commande. Idéologiquement, pour nous changer mentalité haïtienne, pour faire connaître que nous voulons la présence pour tout le peuple, nous ne pouvons pas dire nous défendre. S'il faut être méchant, c'est en défendant la patrie, c'est pas en exécutant nous-mêmes. Donc, on sait jouer que par la Russie. Voilà, on t'a écouté déclaration, ancien sénateur Nord-Est, là, Jacques Sauveur Jean, ancien sénateur sur l'IACN, Badboua, voilà, contentement pour volonté, quelques pays, et montrer pour déployer et rapide vite une force multinationale dans le pays d'Haïti. Et mais volonté, ça, il dit, il ça arrivé après discours président américain Joe Biden concernant la situation sécurité pays, dirigeant parti INTEA, dénoncé une autre fois encore comportement membre dans l'opposition qui, d'après lui-même, refusait changer position tête radio dans l'idée pour joindre une entente avec pouvoir en place là pour mettre pays à pour changer situation actuelle à pays à sur l'IACET. Donc nous croyons qu'après 2 ans, moi c'est faut comprendre que Jodia nous besoin consensus entre les Haïtiens pour troupes rentrer pour aider la police haïtienne résoudre question gangland et rentrer dans professionnalisation et une structuration de l'armée, pour ne pas dire une formation de l'armée en brillant que nous guerres. Le problème, ça n'a pas répété encore. Après la déclaration président américain Joe Biden t'a fait dans le côté de demander l'ONU pour déployer une force multinationale pressée dans le pays d'Haïti, nous avons un marché pressé gagné, au moins une dizaine de pays qui annonçaient qu'ils commettent pour faire partie de la force multinationale dans le pays d'Haïti, gagné Kenya, qui signe un accord de défense avec les États-Unis pour permettre de venir hypoter les six dans la sécurité dans le pays d'Haïti. Comment vous même vous comprenez ça qui est là? Bon, vous comprenez parce que l'international là lui-même tout les commencé fatigué parce que son pays qui est en danger, son pays qui vraiment population a souffert, a tué, a violé. L'international là quoi faut le poter support à un pays qui est en danger. Mais comme quoi, ouais, c'est comme si bandio négazami ou pas bye bye rien pour eux. Ils continuent à faire ça. Vous voulez garder ça fait là, nég déployer sous domi balais, c'est pas déployer, ils ont pas fait. Bon, automatiquement le Pokovini, il a senti que l'opposition en lui-même, la question c'est démission. Il n'a pas entré la fond question pour yo bye international la carte blanche pour troupes Pokovini. Il est normal qu'il y a pilaré. C'est normal. Saute qui bye, imbécile qui va prendre. Bon, c'est qu'il faut comprendre une question comme ça. Parce que l'international l'a dit clairement, l'impatarien, ville non chassé croisé, les villes là, faut nous finir entendre nous. Mais cependant, bon, c'est que Biden, il est très clair, lui-même, qui a supporté dans le pays, qui a supporté le pays, il est le temps pour troupes rentrer, pour nous porter secours au peuple haïtien. Parce que la population a souffert, personne n'a pas attendre encore. Pour être abgadé, pour voir que le bandit a tué, a violé, a massacré une population, il est normal que vous venez supporter nous. Donc moi, je souhaite ça à ces derniers rounds pour l'opposition comprendre de bonne foi, eh bien, faut nous rentrer dans la question du gouvernement d'unité nationale et ensemble pour qu'un troupe ça, pour lui aider nous, mettre sécurité en un pays et professionnaliser. Et la police haïtienne et l'armée haïtienne. Donc c'est ça, je pense que nous avons cherché
et nous tous d'accord que l'insécurité, c'est le problème principal. Voilà, on t'a pour déclaration, ancien sénateur Sorel, Hyacinthe. Gagné deux âmes qui arrivent saisies, cinq individus joignent arrestation. C'est bilan une opération la police menée à mercredi à Jacques Mel. Après conflit qui était gagné entre bâtonnier l'autre avocat Jacques Mel, là, M. Magdala Joseph, à qui un groupe citoyen dans la localité Sivadier, Alex Moïse. Direction départementale police à Sud-Est, pendant une rencontre avec la presse, journée mercredi 27 septembre 2023, présenté bilan opération menée après gros conflit terrien qui était éclaté dans la localité Sivadier lundi 25 septembre 2023. Il y a deux âmes qui saisies avec cinq personnes qui jouent arrestation. Parmi eux, bâtonnier, l'autre avocat Jacques Mella avec Magdala Joseph, Simkwe inspecteur Gary Victor, qui annonce une enquête qui l'ouvre pour déterminer l'implication de l'autre monde dans le dossier ça. Dans le dossier ça, il y a deux âmes à feu qui saisies. C'est un fusil de calibre 12 et un pistolet calibre 9 mm. Il y a cinq personnes que la police a interpellées dans le dossier ça. Moun sa yo, c'est Magdala Joseph, qui a 42 ans. Il y a Luiner Land, qui a 33 ans. Il y a France Providence, alias Fanfan, qui a 38 ans. Il y a Louis Renault, qui a 40 ans. Et Pantaléon Schiller, qui a 31 ans. Donc ce dossier qui est en cours, SDPJ a commencé à faire audition, mais elle a continué à enquêter tout. Et sous peu, la bien pour déférer dossier par devant le parquet pour les suites légales. Conflit terrien qui passe suspendre, éclaté dans le département sud-est, dans les jours saillants, rend travail à GPNH très difficile dans la région 1, d'après porte-parole à GPNH là. Inspecteur Gary Victor exhorté ministère de la Justice pour mobiliser toutes les ressources liguées pour capable finir le phénomène ça qui passe suspendre si même dans la population 1. Dossier dans Jacques Mel, pour ne pas dire dans le département sud-est là, était un véritable casse-tête. Donc maintenant, il était à la justice et à toute composante Léo. Il a agi dans le respect, dans le strict respect des normes régissant la matière pour pouvoir protéger les citoyens, la société sur les soins en général. Faut que nous disions, population Sivadia, après l'incident lundi 25 septembre, là, t'as semblé pas décider de chômer pour journée mercredi 27 septembre 2023. Protestateurs qui étaient soupçons, M. Magdala Joseph libéré, te bloqué route Sivadia avec diverses machines de sous route. Ça qui te rend pas une altercation entre AJPN à chaque population. Dans le moment force l'audio, t'as tenté de bloquer route là. Alex Moïse Jacques Mel, Vision 2000. Merci Alex Moïse. C'est Ava et Madia, un bien interrogation ancien militaire colombien. 17 au total qui étaient dans la prison pénitentiaire nationale, arrivé dans Boutio, mais dans la prison dans le cadre d'un dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse. Là, Julien avocat, maintenant Antoine Maisonneuve, fait qu'on est toutefois client Lio capable de retourner devant magistrat institué dans le cadre d'une autre confrontation avec l'autre inculpé. Un bien, il continue à réclamer innocence ancien militaire colombien dans la mort brutale Jovenel Moïse et plutôt profiter pour dénoncer une autre fois encore comportement madame ancien président Martine Moïse dans le dossier Silla Marc-Antoine Maisonneuve. L'interrogatoire des Colombiens touche à sa fin. C'est pas l'instruction qui est terminée, puisqu'il y a plusieurs autres inculpés dans ce dossier. Il y a des agents de l'URGPN qui sont inculpés dans ce dossier. Il y a des agents de l'USP et autres qui sont inculpés dans ce dossier, qui ne sont pas encore interrogés par le juge instructeur ou Esser Voltaire, et que le juge doit les interroger. Il se peut qu'ils reviennent par devant le juge dans le cadre d'une confrontation. On a pu comprendre que ces Colombiens-là sont innocents et que ce ne sont pas eux-mêmes qui ont assassiné Jovenel Moïse. Acteur clé qui était en contact avec les auteurs intellectuels, il y a un truc puis là dedans et ça va être un truc qui va aller aux États-Unis. Donc là, difficile pour qu'elle remonte à hauteur intellectuelle que nous-mêmes nous connaissons. En plus, vérité dit, ton procès cap marche très bien. Forme d'où bien, eux même remettent en question la neutralité ou bien l'innocence de Martine Moïse dans cet assassinat. Les bagailles qui dit. Parce que comprenez bien, Romain pas Martine Moïse est seulement Colombien, ou voulait accuser, ou pas elle pas trop parler de l'autre auteur, moun qui était qu'à impliquer l'assassinat de Jovenel, yo, pas tellement parler de yo. Et ensuite, ou pas ouais Martine Moïse est ton seul cause, oh, le gouvernement haïtien a déjà adressé plusieurs requêtes à l'ONU pour que l'on puisse installer un tribunal pénal international en Haïti et parfois elle parle du tribunal spécial international.
Mais attention, il s'agit de crime, il s'agit d'un assassinat pour lequel le tribunal pénal international n'est pas compétent. Parce que dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021, ce sont des criminels transnationaux qui passaient à l'acte. Donc par là, vous pouvez comprendre qu'il s'agit effectivement de crimes transnationaux. C'est parce que tout simplement, avant Ariel Henry était ordonné pour te voir 4 mounes à aller aux États-Unis, juge d'instruction, te guette commencé à poser des actes d'instruction. Alors bon, juge commence à travailler, à poser des actes d'instruction, à prendre des mounes, à prendre ordonnance, et bon, il dit non, ouvrez bon l'autre juridiction tandil. Qui ça, Martine Moïse, qu'on a le droit? Pour la part où j'ai le droit, l'a demandé tout, l'installation d'un tribunal spécial international. D'un droit international, l'appellation de tribunal spécial international, ça n'existe pas. Il existe ce qu'on appelle le tribunal spécial internationalisé. Oui, il faut respecter l'appellation internationalisée. Parce qu'il va y avoir ce qu'on appelle la cohabitation des juges nationaux et des juges de la communauté internationale. Donc nous pensons qu'il y a des exemples qui sont supposés tracer, mais attention, pendant l'exemple à tracer, nous parler criminels assassins, échapper à sanctions que vous méritez, et puis à venir rendre malheureux, responsable, crime, assassinat que vous faites. Voilà. Merci, amis auditeurs. Merci à tous les fanatiques qui te prennent Tichesse Bayo pour être capable d'informer ensemble avec nous. C'était un immense et réel plaisir pour nous être capable d'accompagner. On a remercié tous les amis et qui t'a suivi édition nouvelle ça dans quatre coins et pays d'Haïti. On a remercié tous les amis et dans la diaspora et spécialement toutes les fanatiques qui t'a suivi nous aux États-Unis, Canada, la France ou même qui t'a connecté nous Mexique, Brésil, Chili, Sambrié, amis en République et Dominicaine, fanatiques et Porto Rico, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin, Curaçao, la Barbade. Et bien, quel que soit côté sur la terre bénite, il y a un grain haïtien qui t'a suivi nouvelle ça, c'est moins content pour nous être capables ensemble avec vous. Merci pour le support, merci pour la collaboration. Passez une très bonne journée et jeudi accompagné des plus gros plateformes et pays d'Haïti et voilà. Restez connectés, n'abtournez pour nous capables de continuer à informer vous.